Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle session de Scarlet Nexus. J'en suis au chapitre 4, un destin divisé en deux. Les quêtes ont déjà été faites apparemment, et je n'ai plus que les relations à faire, ce qui prend un certain temps tout de même, vu qu'il y en a 4. Commençons par le consort. Ah, j'aurai sûrement des petits cadeaux aussi à les distribuer, parce que pourquoi pas. Gemma, si je ne me trompe pas, ça va être la première étape de relation que j'ai avec lui. Sachant que c'est un peu le Kagero du groupe, hein, mine de rien, il a tenté de faire une rébellion du côté de... Enfin, il a écouté Karen, hein, tout simplement. Inattendu, mais il l'a fait, et il s'est retourné contre Seto parce que manipulé par Karen. Alors, après, est-ce que vraiment Seto avait une culpabilité dans tout ça? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il ne méritait très certainement pas ce qui lui est arrivé, bien sûr. Étape de relation. Donc on a une relation, pour le moment, assez conflictuelle, et il va falloir qu'on... On construise des choses, toi et moi, Gemma. どこかに出かけるのか。ああ、墓参りに。スメラギ寮へ行ってくる。ごたごたしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギ寮か。現場とどこかに出かけたことってなかったし。俺、スメラギ寮の雰囲気好きだし。そうか。俺は別に構わない。では行こうか。行こう、ゲマ、行こう。 Donc pour rappel, l'arc de Gemma autour de Kazané est très centré sur l'usure qu'a Gemma vis-à-vis du fait de perdre des gens et l'impact qu'a eu la perte de Naomi sur Gemma. Alors que cette dernière était sous sa protection, officiellement parlant. Baki! Pas le nord, hein. Filou, va. Suman, matasta na. Dou shita? Nani ka mondai demo atta no ka? Sore wa omikuji ka? Omikuji ni mada motte nai Bakki-chan no akki ga tsuite tan da yo. Il est si pur, si pur et innocent. Omae wa hontou ni sono Bakki-chan to yara ga suki rashii na. Pour rappel, hein, parce que c'était sur l'épisode précédent, mais ce stade de l'histoire, il vient de perdre son père. Hein. Et ouais, ça me réchauffe le cœur. Je me dis pas que c'est une incohérence. Au contraire, ça me réchauffe le cœur qu'il puisse tenter de trouver encore une telle joie dans le porte-clés de Baki suite à un événement aussi tragique. Il faut se raccrocher à ce qu'on peut. Hein. ゲマも引いてみるか。いや、俺はいい。もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合葬墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか。俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合葬墓に入れてもらった。 おびが。墓じまい？俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも、将来子供を作る可能性はあるんじゃないか？海抜軍を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。 On revient sur cette thématique. まだ現場は退役してないだろ。なのに、もう人生の終わりのことを考えるのか。俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜軍なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。 俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど、それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。あれ、ゲマ。
そう。可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいるか。あ、ごめん。まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさは、例えばなんだ。まさかカンキャリア駒回しじゃないだろうな。あ、une petite partie de pog là。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。新しい流行か。いや、あ、これ、tu es trop vieux ça? Reviens encore là-dessus? そういえば、この前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか？正直なところ、気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのか。そう、peut-être ça, je sais très bien que tu es aussi en train d'apprendre à cuisiner toi-même, gamin. Rien ne m'échappe. Je sais déjà tout. やった！それじゃ俺、もっとよく調べておくよ。ありがとう、ゲンマ。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。Oh là là, un porte-clés Baki au passage. Oh. Tout Yuito, ça. Et c'est des autres, et au final, il reçoit des porte-clés Baki. Karma est avec lui. Je devrais pas dire ça parce que, comme il vient de perdre son père, on a encore une ou deux scènes traumatisantes à vivre de son côté. Bon, plutôt léger, mais en même temps, première étape de relation, hein. J'imagine que tu aurais préféré être avec quelqu'un d'autre, mais ça fait du bien de parler à des jeunes. Ça dynamise. Tu es si négatif. Moi aussi, j'ai aimé notre discussion. Écoute, je peux t'apprendre plein de choses sur les jeunes, et en échange, tu m'entraînes au combat. Oui, ça me va. Je ne suis pas si vieux. Si je le peux, je t'apprendrai de nouveaux coups. Allez. Histoire, étape de relation. Gema 1. Place à Tsugumi. Notez que c'est Gema 1 d'ailleurs. Yuito. Parce que je commence à avoir autre chose que des premières étapes. Désolée. Quoi retenir, c'est pas facile pour moi. Oh non. Tsugumi, elle a pas trouvé la fleur, c'est ça? Oh, Tsugumi, tout va bien, arrête. Tu es plus petite que ton arrosoir. いや、全然いいよ。別に急いでるわけじゃないし。っていうか、調べ続けてくれてありがとな。私、絶対見つけるから。花の咲いてる姿。Tout va bien, on va pas exploser là. 待ってて。On remarque juste qu'elle vient de vivre Yuito, c'est pour ça qu'elle panique un peu. でも、無理しないでくれよ。C'est dit, ah, ça devrait lui remonter le moral, elle a toujours pas réussi, du coup, elle est en mode non. 待って。なんだ？なんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。No. あの、ユイト。Ça y est. 最近、elle utilise sa clairvoyance pour nous soigner. Fait le check-up complet. そう言われてみれば、最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう。そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、je te vois poil, Yuito. つぐみは透視できるんだもんな。Et même au-delà de ta chair. それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど。加減が難しくて、時々少し見えちゃう。便利な超能力だけど、
それはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい。体の中、勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より難しくないような感じするし。figure-toi。それに、わざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに。だからありがとな。でも、やっぱり、よくないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ。 Parce qu'elle a déjà été réprimandée un nombre de fois incalculable dans sa jeunesse. 昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないもの、いろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものも、いけないことだって、まだ分かってなくて。Je me demande comment ça marche si tu regardes un miroir. Alors, est-ce que c'est une vision, comme la vision de base qui se base du coup sur la lumière, mais pas exactement parce qu'on passe à travers le brouillard. Du coup, le miroir, vu que ça, son rôle c'est juste de réfléchir à la lumière, est-ce que tu vois quand même les choses avec ta clairvoyance à travers les choses si tu regardes à travers un miroir, ou est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est juste un reflet? これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん。私。Mais non, Tsugumi. Ce qui est terrible, c'est ce qui t'est arrivé à toi. Tsugumi のことじゃないよ。だって、dû t'éduquer. Tsugumi はまだ子供で、あと réprimander. 自分じゃどうにもできなかったんだろう。それなのに、大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて。子供の頃のTsugumiがかわいそうだ。あの。でも、そんなに辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか。今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達はいなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。Des amis qui ferment leur gueule. C'est pour ça que j'aime bien les plantes. D'accord, Tsugumi, ok. 枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに、人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだ。Ah oui, je vous avais dit la dernière fois que je sais pas sur quelle plateforme était le dessin animé Scarlet Nexus. Du coup, j'ai cherché après la session d'hier. Apparemment, c'est sur Wakanim. Et j'ai pas tout compris parce que je savais pas bien les plateformes. Mais apparemment, Wakanim et Crunchyroll, ça a fusionné ou un truc comme ça. Je suis pas sûr de moi là, mais quand je suis allé sur le site de Wakanim, il y avait marqué Crunchyroll aussi. Je posais la question. Ah, qui est-ce que c'est ? Monoiwa no Tomoko. Tsugumi mo. C'est vrai ça ? C'est vrai ce que tu dis, Yuito ? Très attentionné.親近感みたいなところもあるのかも。Si vous aviez le choix d'avoir un pouvoir parmi tous ceux des personnages qu'on a ici,
Enfin, qu'on a ici, pas dans cette pièce, hein, mais tous les personnages jouables. Et on va dire tous les personnages importants. Donc Fubuki, vous pouvez choisir Fubuki aussi. Par contre, interdit de choisir Karen, parce que c'est de la triche. et interdit de choisir Kazane. Vous pouvez prendre la psychokinésie via Yuito, mais interdit de prendre la gravikinésie qui permet de remonter dans le passé. Ok, donc pas le voleur de pouvoir, et pas le retour dans le passé. Sur tous les pouvoirs qui restent, parmi les personnages centraux de l'histoire, là, lequel vous tente le plus? Il y a plein de possibilités, hein. Il y a plein de possibilités, et puis il y a plein de trucs qui peuvent faire que ça tourne mal aussi. Mine de rien. Donc partez du principe que vous arrivez à le maîtriser au bout d'un certain temps, quoi. Moi, je sais pas. Il y en a plein qui me tentent. Je vais avouer que la clairvoyance en fait partie. Clairvoyance et la psychokinésie aussi. Feu et électricité, c'est un peu aux aftières pour moi. L'armure aussi. La sclérokinésie. Ah, l'hypervitesse et la téléportation, je les avais oubliés. C'est un peu ouf quand même. Hypervitesse et la téléportation. Prends soin de toi, hein. Tu sais, il y a des herbes hein, qui pourraient soulager tes maux de ventre. Hein. Tu dois les faire infuser pour que ça fonctionne. Merci, c'est gentil de ta part, Tsugumi. C'est ton grand-père qui t'a appris tout ça aussi. Oui, c'est bien lui. Et ne me remercie pas, ce sont les plantes qui sont merveilleuses. Il existe plein d'autres herbes pour les maux de ventre. Je pourrais t'en parler plus tard. Prends soin de toi. Il y a le pouvoir de prédiction aussi de Naomi, mais ça, je m'en fiche un peu. Plus exactement, je pense que ça me rendrait fou. Le pouvoir de l'air de Nagi, un peu de tir pour moi. Ah, il y a l'invisibilité de Kagelo aussi. C'est vrai. Le groupe qui reste là, c'est psychokinésie. Invisibilité, clairvoyance. Ah, hyper vitesse et téléportation. Ah, il y a duplication aussi. Mais duplication, je pense que je ne le prendrai pas. Ouais, parce qu'il faut en choisir un. Je dirais l'invisibilité. Hein. Invisibilité en 1, clairvoyance en 2 et psychokinésie en 3. On peut parler un peu. Yuito, je voudrais te parler. Essayons d'oublier ce conflit un moment. Histoire d'avoir une petite scène de relation. Tu pourrais me retrouver chez Buzubi. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Ça me va de mettre de côté nos différends. Je prends le chemin de chez Buzubi alors. Mais Yuito, c'est le cas pour Kazane aussi, mais Yuito c'est quand même la victime dans tout ça. Il est extraordinaire. Je mets de côté ce différend. Pas de problème. Yuito. Contrairement à ton père. Après, Yuito, il est formel avec tout le monde au premier abord. Hein. Inattendu. Eh ben, il va mal. C'est dit. Bon, il a 50 piges quand même. Je suis un peu plus de temps. そんな風に言われると、なんだか照れちゃうわね。ユイトには、私みたいなおせっかいさんはいなかったの?
親父も兄貴も仕事が忙しかったからな。お手伝いさんとかもよくはしてくれたけど。La plèbe était gentille avec moi。教科みたいに優しく見守っててくれるような人は、お袋が死んでからは。Un peu un ami? Alors c'est des amis d'enfance. Donc, Parce que c'est déjà, non? 海抜軍として一緒に戦った仲間は、私にとって家族同然ってだけ。みんながちゃんと元気でいるか、離れていてもつい気になってしまうのよね。それに、私が気にかけているのは、ゲンマだけじゃないわ。あなたのことだって、いつも心配しているのよ。え？俺も？そうだわ。せっかくだから、あなたのことも聞かせてもらいましょうか。病気なんかしてない？え、まあ、いろいろと忙しかったりはするけど、今のところは元気かな。ビルモンター。本当？忙しくても、食事は3食ちゃんと食べるのよ。風邪をひかないように、夜はあったかくして寝なさいね。あ、そうだわ。Allez, un petit talisman. T'as déclenché la machine Kyoka. また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、それじゃあまた。でも、なんで教科は俺のことまでこんなに気遣ってくれるんだろう。教科隊にいたわけでもないし、今までそんなに接点もなかったような気がする。ああ、c'est Kyoka. Elle prend des infos pour Togetsu. Tout ce qu'elle fait, la pauvre, maintenant. Non, mais elle espionne juste pour Togetsu. C'est la nation qui a demandé la mort de ton père. Je suis contente qu'on ait pu parler. Si ça ne te dérange pas, on pourrait discuter par message. Moi aussi, je suis content, envoie-moi des messages quand tu veux, désolé si je réponds un peu tard. Tu es vraiment gentil, Wito, je ne vais pas t'en vouloir si tu ne le fais pas, mais ça me ferait très plaisir si tu me répondais. Est-ce que c'est clair, Wito? Je sais où t'habites. Je veux te parler, viens chez Muzubi tout de suite, pour que je prenne la peine de te contacter, tu penses bien que c'est un sujet important, alors dépêche-toi. Ouf. J'ai l'impression que tu me donnes des ordres, mais ça doit te tenir à cœur si tu m'as envoyé un message. Ok, je suis en route, waf. Autant oublier ce qui nous sépare, ce sera plus simple de parler. Oh, le message de Shiden. Jamais je réponds. C'est mort. Limite le gars... Coucou. Limite le gars te tabasse par message. Est-ce que c'est avec les relations via Yuito qu'il va avoir le colis avec le masque de Seto? Et le stylo, au passage. C'est complètement le masque. Sumari, Seto Taichou no katami te koto ka. Sou iu koto da. Azukatte inai nara, Seto san ga nimotsu o oite oku yona basho ni kokoro atari wa nai ka. Seto Taichou ga nani ka oitoku basho tte iu to. Ajito kana. Kyoku ni aru kagiri, sore rashi mono wa mite nai kedo.見たのに忘れているんじゃないのか。そんなこと言われてもな。こっちはそもそも具体的にどんなものかも知らないんだぞ。きっと何かの包みか箱みたいなもの。
だと思う。多分。とにかくもう一度アジトの中をよく見てみろ。待てよ、もしかして俺に探せって言ってるのか。こっちだってそこまで暇じゃないぞ。僕だって暇じゃない。お前の念力を使えば探し物も効率がいいだろう。単なる適材適所だ。なんか偉そうだな。Quel enfer。頼む側なんだからもう少し謙虚な態度でもいいだろうに。でももし本当に市電宛ての贈り物があるなら本人に渡してあげた方が瀬戸隊長も喜ぶかな。仕方ないな。分かった、俺が探してみる。でも何も見つからなくても拗ねるなよ。な、子供じゃあるまいし、すべてするか。いいから早く行ってこい。Un gamin tyrannique. 戻ったということは何か見つかったのか。ああ、アジトの隅で市電宛に名前が書かれたケースを見つけた。目的のものかどうかはわからないけど。見せろ。これは戦闘用のマスクか。瀬戸さんが僕にこれを。やっぱり瀬戸隊長の贈り物だったんだな。一緒に入ってるのってメッセージカードかな。ああ、そうみたいだな。シデンへ、俺の招待に入れてやれなくてすまなかったな。代わりと言ってはなんだが、俺からのプレゼントだ。このマスクには特殊な電極が埋め込まれていて、放電の指向性がコントロールしやすくなる。俺のと同じタイプだが、お前用に調整した特殊品だ。よければ使ってくれ。シデン、お前は俺が見てきた海抜軍の隊員の中でも一番の努力家だ。きっとまだまだ強くなれる。だから自分の力をちゃんと信じて。C'est vrai qu'il a eu assez tôt, mine de rien, dans le jeu, le masque. Mais il refusait de le porter pendant un moment, ce qui ne sentait pas digne de le faire. 先にだっていけるだろう。だが、俺もまだまだ負けるつもりはないぞ。お互い、切磋琢磨して頑張ろうな。瀬戸さん、そんなに僕に期待してくれてたなんて。くそ、僕はもっと瀬戸さんに教わりたいことがあったのに。シデン、瀬戸隊長と仲良かったんだな。海抜軍でこんなに僕の力を認めてくれていたのはあの人だけだ。僕にとって特別な先輩だった。De porter de ménage. 俺は短い間しか一緒に戦えなかったけど、瀬戸隊長がすごい人だったことはわかるよ。冷静で頼りがいがあって、誰にでも優しくて、俺もいつかあんな風になれたらなって思う。お前が瀬戸さんみたいにだと、気安くそんなことを言うな。お前程度のやつが瀬戸さんのようになれるなら僕がとっくになってるさ。そんな言い方はないだろう。そりゃ高い目標なのは分かってるけど、俺だって頑張れば。お坊ちゃまには分からないだろうが、世の中は頑張ってどうにかなることばかりじゃないんだ。自分が瀬戸さんの域に達するなんて、身の程知らずなことを軽々しく口にするな。分かったよ、もう何も言わない。用事が済んだんなら俺は帰るからな。おい待て。なんだよ。まだマスクを見つけてくれた礼を言ってなかっただろう。よくやった。今のが俺のつもりかよ。ケロフェ。瀬戸隊長のためだったからな。また何かあったら声をかけてくれ。あ、わいわ、お前。もしな。気が向いたら。Hésite pas à hésiter, hein。そうで、口が悪くて、人当たりは最悪だけど、根っから悪いやつではないんだよな。
devrait profiter du fait de pas être dans son équipe. Hein. N'hésite pas à ne plus jamais me contacter. Et c'était la dernière relation. Au moment, 4 relations en une trentaine de minutes. Ça se voit qu'il y a pas mal de premières étapes. Hein. Sinon, après, c'est 30 minutes pour 2 relations. Hein, c'est... On va avancer. Encore merci pour le masque. J'avoue que je m'enflamme un peu quand je parle de Seto. J'ai du mal à gérer ça. Je comprends, je sens que tu vas m'en vouloir de dire ça, mais je comprends parfaitement ce que tu ressens pour le capitaine Seto. Je suis content que tu aies le masque et la lettre. Je n'ai pas besoin de ta compassion, mais je vais laisser passer pour cette fois. Désolé de t'avoir dérangé, pas la peine de répondre. Surtout, pas la peine de répondre, ok. Très bien, distribution de cadeaux. Allez, les petits cadeaux. Ça fait plaisir. Mais je revérifie juste, c'est les étapes 1. Je dis pas de bêtises. Étape 1 pour Shiden, étape 1 pour Kyoka, tout à fait. Alors, bouffe. Oui, oui, la démo, tout ça. Cadeau. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Paf. C'est fait, ça c'est pas fait. Et ça, bon. Ça, bon. En Mangema, on a déjà un. Je vais en faire 2 autres. Je vais les donner au Jean-Jean, et puis comme ça, on arrêtera de m'embêter. Alors, tac. Tsugumi. Alors, Tsugumi. Oh, mais j'ai 2 journaux de. J'en avais déjà un, mince. Je suis bête quand même. Bon bah écoute, j'ai la description au deuxième. J'avais pas tilté, j'en avais déjà un, mince. Oh, Tsugumi, arrête, mon cœur fond. Je l'utiliserai en tant que journal d'observation pour les plantes de la planque, je prendrai des notes sur leur état tous les jours. Bien. Bien, continue. Si. Attaque clairvoyante PK et vision de combo. Après une esquive parfaite, utilisez R2 pour exécuter une attaque clairvoyante et infliger des dégâts à l'ennemi et le renverser. Ok. Et après vision. Oh yes, la vision de combo. Le gun là. Ah oui. Tsugumi vous a offert Ensemble de marchandises Baki volume 1. Excellent, merci. Cet outil pratique classe automatiquement les conditions de pousse et photos des plantes du quotidien dans un journal d'observation. Ce dernier est nécessaire lorsque vous cultivez des plantes. Une alerte intégrée vous préviendra de toute lacune dans les données. Elle est contente, ce qui compte. Oh, elle est en train de le regarder. Oh, ça me bute. Hop. Oh, je vais lui filer l'autre aussi, comme ça c'est fait. Oh là, tout le monde s'entraîne ici, c'est extraordinaire. Aïe, 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 arrête. J'ai rien pour toi, si ce n'est des programmes. Tu
tu m'en diras des nouvelles. Arigato ne. Le nombre de bouteilles d'huile qu'elle a sur son bureau. C'est flippant un peu. Arigato ne. Alors, un kit de soins, je l'ai déjà offert. J'en fais toujours un en plus. Oh, et là aussi, j'en avais déjà un. Quel enfer. Sac de sable, cet objet s'accroche au plafond pour s'entraîner aux arts martiaux, très lourd et rigide. Les amateurs risquent de se casser un doigt s'ils le frappent pour s'amuser. Lorsqu'il commence à se balancer, il devient dangereux, alors installez-le dans un lieu spacieux. C'est vraiment cool que ce soit des objets différents. Du coup, t'as deux planques différentes, soit tu joues Kazané ou Yuito. J'ai abîmé celui que j'avais, donc j'en cherchais un nouveau. Je vais continuer de m'entraîner pour être le bouclier et qui vous protège tous. Comme t'as protégé Naomi, tu veux dire? Vraiment le... Salazar Serpentard, quoi. Drago Malfoy. Oh là là, oh. Le fait que ce soit connecté à des animations particulières, ça va me découvrir deux, trois petites choses nouvelles d'une run à l'autre. T'es vraiment sympa. Ok, cool. Je vais rééquiper des trucs vu que je leur ai filé des emplacements d'équipement. Boost de pouvoir 5. Boost de pouvoir 4. Boost de pouvoir 5. Boost de pouvoir. 4. Oh, il y a champ de force, lui. Boost de pouvoir. 5. Voilà. Petite sauvegarde. Ici. Petite sauvegarde et partons pour le prochain chapitre. Il n'y a plus rien qui me retient par ici, je crois. Ah non, c'est la table. La table. Oui. Ok, il a pas envie de se lever. Hein. Ok, il n'y a plus rien de motivant en ce moment-là. テレビワイドショー。あ、ボンさん。10日に発生したカレントラバースによる巣王事変は様々な混乱をもたらしています。中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の暗殺はニューヒム家に大きな衝撃をもたらしました。父さん。当番組では実行犯と目されるカサネ・ランドールの似顔絵を作成しましたのでご覧ください。Vraiment? そうね。だめ。なんだこれは。C'est une plaisanterie, ce dessin? 凶悪なカサネ・ランドール容疑者の特徴をよく捉えていますね。だめ。Ça se fait par des clowns, là. おい、みんな、テレビ見てるか？On est en train de parler d'une affaire qui concerne la mort du président. Oui, mais attends, s'ils ont un budget de plus de 10 balles, ils peuvent faire un dessin, quoi. Tu m'étonnes. Non, mais là, c'est irréaliste, là. Gomme, on est mon chotto d'aujourd'hui. Ah, mais vraiment. Yuito, chotto marata. Yokata. Soka.
俺本当にみんなに心配かけてたな。ごめん。心配ぐらいさせてくれ。俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当によかったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど、感情のままに使ったらダメだ。あの時の俺は冷静じゃなかった。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ、正直ここまでヤバいもんだとは想像してなかったな。超能力は感情に左右される。ブレインフィールドも同様だろう。制御さえできれば強力な決め手にはなるが、使い方次第ってこと？ちょっと怖いけど。とりあえず使うんなら十分注意してくれよ。あんな空間にずっといたら誰でも変になっちまうぜ。あ、そういやこれを伝えなきゃだった。スメラゲ本部長から呼び出した。本部まで来てくれ。兄貴から？うん、わかった、すぐ行くよ。あと渡る、妹さんのこと。はるかのことか？気にすんなって。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカサネたちと関わりがあったのか？あ、ユイト知らなかったっけ？ハルカちゃんカサネたちのオペレーターなんだよ。ま、ケルホヤザーネスパ？本当に気にすんなって。でもありがとな。こういうの照れるな。T'as l'impression que la musique, ce soit genre l'une des nappes de musique habituelle. D'habitude, il y a une autre nappe en fond encore. Mais elle est absente cette fois-ci. Ça lui est les percussions et autres. Chapitre 5, un monde transformé. L'incident de Suo a choqué la population. Yuito est convoqué par le chef qui n'est autre que son frère Kaito. Il se rend au quartier général de la BEA qui a perdu la moitié de ses membres. Pire encore, la moitié de ses membres sont devenus des révolutionnaires de ses rangs qui s'opposent du coup à cette BEA là. C'est pas une perte sèche, c'est... Enfin, si, mais... C'est pas une perte neutre, c'est une perte qui donne un avantage à l'adversaire en plus. Nanda... Yuito? Yuito lui s'est parasité par les fils rouges, hein, c'est pas son vrai pouvoir à la base. さっきまでアジトで話をしてなかったっけ？お前何を言っているんだ？何をって、いつスオに戻ってきたんだ？お待たせしました。カラスが近づかないように取材禁止を徹底させたので今回は大丈夫ですよ。ルカさん、ça y est, le voilà, dernier membre de notre équipe à venir, notre peloton. 僕のことは呼び捨てにしてくださいとお願いしたばかりじゃありませんか？待ってください。俺が隊長？スオ事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくて、さっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。Oh la vache, ah oui, on loupe des pans entiers là. Saki, t'es. Itsuda. Yuito. Hen. Wataru. Yuito no Dino Data ni. Nanika Ijo wa Data inaika. Ya. Tokuri wa. Yuito. Moshikashitara. Fubuki Rentaicho to Menkai shita koto wa oboete inai njanai desu ka? はい。僕らは海抜軍のゼロ一小隊に再編成されました。新隊長は君で、これから紹介任務に出るところです。
嫌な予感がします。できればすぐに海抜群病院で見てもらった方がいい。任務はいいの？やばそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできませんが、なるべく早く海抜群病院に行ってもらえませんか？そうだよユイト、見てもらえば安心じゃないね。そうしようよ。そうだよな。うん、そうするよ。よし、任務のことは俺から上に報告しておく。海抜群病院の行き方は？あ、ここっておじさんが理事長やってる病院だから私が案内するよ。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。ピストネ、excellent, tout ce qu'on aime. C'est devant toute la plèbe là qui fait la queue, qui attend depuis des heures pour tenter d'avoir un entretien, un examen qui leur permettra peut-être de survivre. Nous on a un mal à la tête. Hôpital de la BEA, traitement médical d'avant-garde. Dans lequel on va avec Kazane aussi, mais assez peu hein, finalement. Surtout avec le passage avec la maman, quoi, mais ça s'arrête là.超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を司る分野で一時的な混乱を引き起こしているだけでしょう。ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれを飲んでください。あ、はい、ありがとうございました。スオー事変で果敢に怪異を討伐し、スオーを守った英雄。ユイとスメラギ上等兵、この度異例の昇進によって、ああ、そうか、それは新隊長に任命されました。で、ファンソットがコーボヌラシュ、パスキーゼテビアン。なんだこれ、こんなことしてないぞ。はい、セウフ、パスキーイレアクティフ、アンプシュ。キラバマン、イレアクティフ、アプシュ。カイト本部長と政府からの要請だ。君は救国の英雄として祭り上げられる。Le héros factice, le fameux. そうだ。確かそんな話をした。でも、前後がやっぱり思い出せない。それでは、救国の英雄、ユイとスメラギ少尉の歩みをご覧ください。Défilé de victoire, comment ça? あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだから。それよりどうだった？何かわかった？ああ、うん、疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。スオー事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長、その悲劇を乗り越え我がニューヒムカのために完全と立ち上がったユイとスメラギ少尉は、ああねえ、まだ時間がかかるんならちょっと病院の中を見てみない？さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし。花火は優しいですね。まあカラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならそれの方がマシだろう。うん、そうしようかな。Après, ça va être vite visité. Je crois que la map est super petite. Heureusement que ce n'était pas sérieux, mais n'oublie pas de prendre tes médicaments. J'y penserai, tu m'as sauvé Anabi. Merci, je vais devoir remercier ton oncle aussi. T'en fais pas, je lui transmettrai. Lève un peu la tête, surtout. Lève un peu le pied, plutôt. Surtout. J'ai hâte de travailler avec toi, commandant Yuito. Alors, ce n'est pas la peine d'être si formel. Ou tu peux plutôt me parler normalement aussi, Yuito. Promettons-nous de nous parler comme des amis. On verra qu'il n'y a pas de possibilité de réponse. Yuito refuse. Ah, ちょっと待って。あの女の人困ってるみたいだ。
何かお困りですか？Il va bosser dans l'hôpital bientôt. すみません。私、ベルペッパーなので。Ah, terrible. Tous les panneaux d'information sont pour les gens qui ont des pouvoirs. Quel enfer. ベルペッパー？ Ah, ごめんなさい。無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが、脳神経内科はどちらでしょうか？あ、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーって言うのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？Ce qui est pas très reluisant comme terme, soyez en passant.まあ、なんていうか、能力が空っぽだから、みたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も、自分で無能力者というより、ベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが、心理的に抵抗があるというか。Pour rappel, c'est pas dit encore, mais Lucas était aussi un inepte. Il a reçu ses pouvoirs artificiellement comme Yuito. Après, je suis pas sûr que Yuito soit au courant, par contre, c'est le cas pour lui aussi. Il a reçu ses pouvoirs artificiellement comme Yuito. Ah ouais, c'est une sacrée minorité. Enfin, c'est une personne sur 100 quand même. Non, même pas, c'est une personne sur 1000.海抜群病院では c'est quand même une personne sur mille. 無能力者の治療研究が進められている。そうです。無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー。Ah, oui, il est pas au courant, ok. 何か思い出しかけたような。C'est l'occasion d'avoir une révélation dans sa campagne, du coup. Là, faut se dire, si on joue Yuito en premier, on n'est pas au courant.On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que les inaptes? On découvre en même temps que lui. Doustano, Hanabi. Hennakao, Stel. Saki no onna no hito, no shinke naika e tsurete itara. Kangoshi-san ga kyūkan no basu no jikan ga dou to ka te hanashitete. Kyūkan o basu ni noseru nante, aru no kana? Basu. Kitto kiki machigai da yo ne. Gomen.バス来てる地下に地下なぜ病院の地下にバスが来るんだ送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろうそもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだがこっちには海抜群病院のデータが一切ないんだだから病院の中がどうなってるのかは分かる。おお、ça sent l'enquête thriller là。町の外の休館を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。休館。そういえば一条海抜群病院の休館が周防の外にありましたよね。それって六勝寺のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって。町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけどそういえばそんな事件があったな花火も昔は六勝市に住んでいたのかううん、うちのお父さん昔は一条の本家からは感動されてたから私は生まれも育ちも周防なんだだから六勝市にはたまにしか行かなかったでも、ユイトが入院していた病院は、六勝市にあった旧海抜群病院だよね。私、お見舞いに行ったもん。ああ。六勝市が襲われた時に、お袋も怪異に殺されたんだ。あ、嘘。バスの中に、ナギがいる。え、ナギが？うん。生死不明者にリストされてたし、見間違いかもしれないけど。で、ギーパーティー disparu? 悪い。こっちじゃ補足できない。病院の中はこっちの。On sait qu'il était en prison, un truc comme ça. D'accord, il est porté disparu, et en plus de ça, il est finalement dans. Nagi を乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。Il va sûrement filer quelques cerveaux quelque part. 海
抜群病院の休館がある方角。みんな付き合ってくれ。ナギが生きているなら会って話がしたい。そうだな。本当にナギだったのかどうか確かめた方がいい。Oh, le changement de musique. Ancien hôpital de la BEA. Désolé, c'est de ma faute si tu t'es remémoré ce qui s'était passé avec elle à Lokusho. Tu n'as pas à t'excuser, tu n'as fait que répondre à une question, ça ne me dérange pas. Ancien hôpital. Je sais pas si c'est un donjon que j'ai eu avec Kazane, l'ancien hôpital, ça me dit rien. Ça me dit quelque chose en même temps, ça me dit rien, ça c'est bizarre. Ancien hôpital de la BEA, ruine et de la tragédie. Toujours pire. Koko ga Kaibatsugun Byouin no kyūkan. Kodomo no koro no koto dakara kana. Nyūin shite ta no ni hotondo kyoku ga nai ya. Hontou ni Rokushou no machi ni wa nani mo nokotte nakatta ne. Demo Kai ga nerau no tte ningen no nou nan de shou? Tatemono made anna fuu ni kowasu no kana?ええ、確かに。この旧館が今も使われているのだとしたら、意図的に片付けたのかもしれませんね。気のせいかな。ルカはこの旧館が使われてるって知ってるみたいだ。そうですね。ええ、すみません。確かに僕は使われていると思っています。だからナギがここに連れてこられる可能性は高いと思いました。どうして旧館が今も使われてるって思ったんだ。それは海抜群の指揮官クラスになるといろいろな情報も入ってくるんです。旧館で何らかの施設が稼働しているのではないかという噂は何度か聞いていました。ルカ、何かを隠してるのか。うん。つぐみ、ナギが乗っていたと思われるバスは確かにこの施設の地下に入っていったんだな。うん。でも気をつけて。この建物の中投資できないところがたくさんある。こういうところは危険。俺も旧館のデータは参照できないんだ。サポートは難しい。気をつけろよ。よし、みんな慎重に行こう。Ok, ok. Tu bénéficieras de bien plus d'autorité en tant que commandant, ce qui implique aussi plus de responsabilité. Tu vas devoir bien réfléchir à tout ce que tu fais. Mais malgré ce qui est arrivé, je suis soulagé de voir que tu n'as pas perdu confiance en toi. Essaie juste de ne pas en faire trop. Nous devons faire de notre mieux pour faire honneur à notre père en tant que Sumelagi. Ce n'est pas la peine de répondre. Toujours le même truc. C'est pas la peine de répondre. Le petit Lucas, maintenant qu'il est là... On va lui donner le marteau qui brille. Et boost de pouvoir. Ah, il y a un seul emplacement. Ok. J'ai la téléportation ici. Ok, ok. Ah non, finalement, ça me dit rien, ce donjon. Trop bien. Nouveau donjon. Une ambiance en plus là, sans les ennemis invisibles, hein, pour faire genre il y a des fantômes, c'est spooky tout ça. Minute. Ah, c'est l'endroit où tu vas avec. Avec Kazane pour la maman.
en effet, comme ils l'ont dit dans la cinématique. L'arrivée des Santa serveurs, hein. Plaisir avant tout. Oh la vache. La bonne projection. De l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Quel enfer. Téléportation. Adversaire défensif. Oh, trop bien. En fait, la téléportation, c'est pour eux aussi. Ok, ok. Certains autres adoptent une position défensive lorsqu'on les approche. Ils ne peuvent subir de dégâts tant qu'ils la conservent. Vous pouvez utiliser la téléportation via le SAC pour les attaquer rapidement. Cool, hein, téléportation qui sert de cléporte. Ça fait peur cette pièce là. Mais les jetons un peu là. Oui, bonjour. Il essaie de fuir. Laissez-moi partir. C'est des malades. Un peu hein. Petite ambiance léger léger. C'est un labyrinthe cet endroit. Yuck. Ah si.
僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。Petite arène. Oh non. Ah si. Laissez-vous, bon sang. C'est qui le poussait en tout cas? Ok. Déportation. C'est vrai que c'est quand même plus pratique de faire ça. Ce que je faisais avec Kazané. En effet. Je suis prêt à l'admettre. Voilà le bruit d'annonce ultra saturé de mort. ここには怪異が群がるほどの人間はいないように見えるが。シャブは花火、おじさんから何か聞いてないか、病院の休暇について。うん、特に何も。だいたいおじさんたちとはお正月に会うくらいだし。On commence à se désolidariser. Au début, c'est j'ai un oncle, il est super, il est à la tête d'hôpital, il peut t'aider. Nage! Maintenant, c'est. Non, mais finalement, je le connais pas vraiment, ce monsieur. Oh non, il a peur! Mate, que le Nage! Pouche ta tante là! Yuito. C'est si fumé, j'ai l'histoire ni haïté ta cara. Simpais t'es tante. Soleni. Anotoki no kotomo. Kikita katashi.ごめん、ナギ。あの時どうして俺たちを。俺だってわかんねえんだよ。え、急に脳がしびれたような感じになって、頭の中をぐちゃぐちゃにかき回されてるような。どうしてそんな。ユイト、逃げろ、ここにいちゃダメだ。え、突然何を。ここにいたら俺みたいに人格矯正されるぞ。やはりそうでしたか。噂は本当だったんだな。人格矯正、ナギが。なんだ、警報。また怪異か。されてたのか。ここは俺が食い止めるから、ユイトたちは早く逃げろ。いや、俺も一緒に戦う。ダメなんだよ俺。いつスイッチが切り替わってお前らを殺そうとするかわからないんだ、瀬戸隊長の時みたいに。だからお願いだ、逃げてくれ。じゃあせめて一緒に逃げよう。ダメだ。いつも俺は déjà entendu cette musique, mais non, c'est pas le thème de Nagui. 俺は俺でなんとか逃げてみる。ユイトたちは先に行ってくれ。お前たちも人格矯正されるかも。いや、怪異にされるかもしれないんだぞ。え、je souviens. 怪異にされる。それは…ユイト、すみません。ルカ、どうして。あなたが冷静ではなかったからです。ナギの言う通り、僕たちは一刻も早くこの病院を出るべきだ。けど怪異にされるかもって話は気になるだろう。話は後で、他のみんなを回収しないと。僕が事前にテレポート場所として安全を確保できたのはこの場所だけです。ここから先は自分たちの足で行くしかない。僕たちが知ってはいけないことを知ったのはすでに発覚しているはず。
とにかく逃げましょう。ユイトが不満に思っていることは分かっています。本来なら隊長であるあなたに従うべきだ。ですがこの場所は想像以上に危険なようです。まずは脱出を優先させてください。お願いします。わかった。Ouais, enfin, on a un peu laissé Nagui pour mort là. On l'a enfin retrouvé. On l'abandonne maintenant. Je sais pas comment me sentir par rapport à. Par rapport à ça, je vous avoue. Faut que je passe par où là? Ah, faut pas que je passe par ici, d'accord. J'étais un peu perdu. Plup. Quel enfer. Et ça c'est un hôpital ça. Avec des structures pareilles. Franchement ça fait prison. Peut-être qu'ils ont les deux hein. C'est pas là où j'ai déjà été ça. J'ai déjà été par là. Ça sert à rien que j'essaie de réavoir les objets. Poursuivi. Cette version là du chinard, c'est sympa. Et une charge en plus, ça se rend invisible. Remplit le cœur d'allégresse. Attends, mais quel enfer la poussière des autres là, un peu partout. なかなか出口にたどり着けないぞ。ルカだけでも病院の外へ出ることはできないのか。ええ、怪異が大量に発生している場所はテレポート自体が危険ですから。落ち着け。ワタルもデータを持っていないなら出口までのルートは自分の記憶に頼るしかない。記憶か。俺の記憶は当てになるのか。ユイト、危ない。上だ。
Ah, c'est une autre version du monstre du plafond. Oh, stylé. ぼーっとしてた。ごめん。ありがとうな、花火。ううん。それより。カイ、こっちに来る。迎え撃ちましょう。Pêcheur baffreur。Pour tout le monde. Bien. Les ou. Un petit soin, pas prendre de risque. C'est bientôt mort. いるんだ。渡る、つぐみ、どこかに安全な場所はないか。悪い、何度も言ってるが、こっちは休館のデータが全く参照できない。どこも怪異だらけで。あ、これは。おお、吹雪。何やったか。吹雪連隊長。みんな、ついてきてくれ。地下道路を通って、六勝者跡を抜けて怪異を振り切る。Oui, mais Enagi, on en parle. Major Fubuki, Enagi. Une question, Major Fubuki. あの、ここはもしかしてセーフゾーンですか。セーフゾーン、何それ。ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの死角に当たる場所だよ。僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。ここなら安心して話ができるからね。Dis donc, les hautes pontes, ça, où est-ce qu'on peut éviter de se faire écouter, hein? 巡回中の海抜群に見られると困るから。こんな場所があったのか。ここで話すってことは政府に
知られたくない話。そういうことになるね。君たちが海抜群病院に行くことを早く聞いていればもう少しうまく立ち回れたと思うんだけれど。吹雪さんは海抜群病院がどんな場所なのか知っていたんですね。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである超能力研究を行っているんだ。大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、あそこは一条家の病院だったね。今から話すことは君には辛い話になると思う。はい。あの病院で大脳の研究を進めた結果、いくつか副産物が生まれたんだ。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い人間の脳を調律して洗脳することで無害化する。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られてあんなことになってしまったんだ。え？でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府に捕らえられてしまった。あ、ouais、d'accord。すまない。Et donc ils sont au courant qu'on était aussi à portée de Naomi. Moi je pensais que c'était parce qu'ils étaient au courant pour Nagi mais pas pour nous. Parce qu'il en avait peut-être parlé ou un truc comme ça. Putain, maintenant c'est Fubuki qui nous a sauvé la mise. Vache, sinon on aurait tous été réhabilités, on serait devenus fous. ナギもそんなようなこと言ってたけど、人間が怪異になることなんてあるの？それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。特殊な物質に接触させて生物を怪異に変える。脳を持つ生き物なら何でも怪異にできるんだ。待ってください、それじゃあナオミを怪異にしたのは政府だってことですか？そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのも危険だ。おそらく政府から君たちを引き渡すように命令が来ていると思う。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。その間に僕が事態を収める。いいね。待ってください、どうして吹雪連隊長はそれだけの事情を知りながら人格矯正を受けていないんですか？ルカも今の話を知っていたみたい。そうだ、だからあの時ルカはナギと話すことより逃げることを優先しようとした。簡単だよ、僕は体制側、政府の犬だからね。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。気になることはルカに聞いてくれ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。道すがら兄から聞いた話をします。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか？わかった、それじゃあ菊池場行こう。フブキ en mode c'est très simple, c'est parce que je suis à la solde du gouvernement bien sûr. Je contente juste de protéger qui j'ai envie de protégeret de mentir de temps en temps et on se débrouille quoi. Oui, on a sourd là. Ordinaire. Petit coin caché de paradis. Et il y a même une petite quête par ici. Il n'est pas du tout en train de parler de trucs louches avec Fubuki. Pendant ma dernière mission, j'ai failli me faire tuer par un autre super fort et rapide.Ce carapace doit être un point faible. Mais pouvez-vous me montrer comment le tuer? Merci, j'ai hâte d'apprendre. Destruction de carapace. Hop. Je vais pas le faire maintenant, mais au moins je l'ai. Une attaque chargée. Battre des rutes infestées. Bi.
Bigre. Bigre de Bougre. Où est Jean-Jacques sauvegarde? M'arrêter là. Ah, il est là-bas. Bon avant. Qu'est-ce qui lui arrive? Il m'a envoyé un message. Nous ne sommes pas autorisés à nous parler, mais ce message est nécessaire. Je sais que c'est soudain, mais j'ai quitté la BEA suite à l'incident de Suo. Ça a changé ma vie. Ah oui, il quitte quand même la BEA, même lorsqu'on reste à Suo. Je me suis blessé dans le dos, ne t'en fais pas, je tiens toujours debout. Désormais, je ne suis plus rien qu'un citoyen lambda sans aucun lien avec la BEA, mais l'archiviste en moi se demande si je dois arrêter complètement. Les archivistes n'ont pas pour habitude d'abandonner un travail en cours, donc j'ai pris une décision en tant qu'archiviste civil. Je vais continuer de vous suivre et de m'occuper des archives. Je vais donc poursuivre mon activité. Fin du message. Autre chose, il ne s'agit pas d'un passe-temps pour moi. Vraiment pas. Vous comprenez ? Ce n'est pas un passe-temps pour moi. C'est le système de sauvegarde qui essaie de me parler, là. Ce n'est pas un passe-temps. C'est une vocation. Ok, ok. Bon, même communication hein, quand je joue Kazané ou Yuito, du coup. Intéressant, hein. Intéressant le donjon particulier, enfin l'hôpital qui sert de donjon dans un cas et de lieu purement narratif dans l'autre. Le retour de Nagi. Je sais pas si du coup on l'a laissé à sa mort, je pense pas. Je pense qu'il va encore se faire réhabiliter et qu'il aura l'occasion de souffrir dans la suite de l'histoire. Mais on verra. Fubuki qui commence à apparaître un petit peu plus, hein. On sait que Karen apparaît pas mal à ce stade-là de l'aventure du côté de Kazané, parce que c'est lui qui s'occupe de faire en sorte que Naomi reste dans le centre de recherche pour essayer de déautriser les autres. Du coup j'imagine qu'on va avoir pas mal de Fubuki aussi, et en l'occurrence Lucas va également nous en dire un petit peu plus sur les questions de la réhabilitation et petite amorce aussi sur la question des inaptes, deux éléments qui vont probablement être assez centraux sur l'histoire de Yuito. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve pour la suite dès que possible, et comme à l'accoutumée d'ici là, portez-vous au mieux, des bisous, bye.